programmes Contexte Développement m'a permis de me changer d'abord moi-même. Ça me permet aussi de pouvoir travailler avec les collègues et les autres partenaires, de nouer des relations, des confiances, de travailler avec les communautés affectées d'une manière efficace, de mettre en place même des guides pour l'intégration des normes humanitaires fondamentales, qui est un outil important que nous avons conçu grâce au programme Contexte, qui est actuellement mis en œuvre par Captouche de Guémée, afin qu'au quotidien nous puissions améliorer notre prestation, notre intervention en faveur des communautés affectées. Je vais d'abord citer l'exemple le plus touchant, très facile, c'est la gestion d'équipe. Avant, en équipe, j'étais vraiment comme un dictateur, il n'y avait que mes ordres et que je voulais que ça passe, mais depuis que j'ai appris une session pendant l'atelier résidentiel, désormais, dans l'équipe, je reçois les avis de mes collègues, nous les discutons et nous trouvons les meilleurs à mettre en œuvre. Le programme nous a apporté beaucoup d'aspects, notamment ça nous a permis à faire une analyse personnelle de ses capacités, de ses compétences, mais aussi faire une analyse objective de l'organisation. Mais aussi ça nous a permis d'améliorer la collaboration en tant qu'équipe, ainsi que la communication. Avant, je n'avais pas confiance en moi. Mais actuellement, je peux dire que j'ai confiance en ce que je fais et je me sens capable de même de postuler dans des postes de programme. Je ne suis plus limitée à l'administration. Actuellement, je me sens vraiment capable de travailler dans les programmes de WASH. Je sais c'est quoi les WASH, c'est quoi l'intervention dans la protection, et dans des réunions. Je peux intervenir grâce à la formation de Bioforce. Je peux faire la restitution. Je peux parler de la formation Bioforce aux gens et l'impact de cette formation dans ma vie professionnelle. Nous avons complètement changé dans notre travail au quotidien parce que nous utilisons des outils adaptés et des matrices. Nous sommes maintenant capables de négocier, de parler avec les parties prenantes sur le terrain. Et de là, Bioforce et ces projets nous ont beaucoup capacité. Même au bureau, nous avons beaucoup changé dans la présentation de nos rapports, et dans la communication, et ça nous a beaucoup facilité. J'ai vu qu'ils se sont découverts, ils ne savaient pas ce que c'est une intervention humanitaire. À partir de cette formation, ils ont su qu'est-ce qu'une intervention humanitaire, comment un humanitaire peut se tenir devant une population bénéficiaire, une population affectée. Parce qu'auparavant, c'était comme une façon là de négliger cette population affectée. Mais en tout cas, pour eux, ça a développé à eux l'essence de l'humanité et aussi l'essence organisationnelle pour leur travail dans le cadre humanitaire. Et aussi, il y a le professionnalisme dans le travail, et nos agents aussi, nous savons comment, avant une intervention, faire l'analyse du contexte de la situation afin d'apporter une réponse appropriée aux bénéficiaires. C'est vrai qu'on est sur le terrain, c'est quand on se rend compte qu'on a acquis beaucoup de choses, mais la première grande chose que j'ai acquis, c'est le leadership. Bon, je l'avais, mais je n'avais pas encore fait conscience de ça. Alors, je crois que je l'ai acquise. Il y a aussi ma faculté de communication, d'attendre le positif du feedback des autres. Aujourd'hui, nous travaillons en respectant les normes et principes humanitaires parce que le travail que nous menions avant, il y avait des difficultés par rapport à ça. Mais aujourd'hui, nous travaillons à les respectant par rapport aux liens de l'intervention et par rapport à la situation dans laquelle nous menons l'intervention.